Après 55 jours, loin de leur quotidien parisien, il est temps pour Marie et Romain de retrouver la capitale. Le confinement, grâce au jardin de la maison des parents de Marie, ils l'ont plutôt bien vécu. J'avoue qu'on a eu beaucoup de chance de l'avoir, le jardin. C'est vrai que ça a vraiment changé la donne par rapport aux gens qui ont été obligés de rester dans leur petit appartement et qui ne pouvaient que sortir à heure fixe. Pour ça, on a eu beaucoup de chance. Après un peu moins d'une heure de voiture, les voilà arrivés à Paris. Et le retour à la réalité est pour le moins brutal. Ça fait très bizarre, mais ça fait plaisir aussi. C'est du bien, ça fait bizarre de voir Paris masqué. Malgré le déconfinement, Romain se veut prudent. Pas question de se relâcher dans les prochains jours. Le déconfinement, c'est pas la fin du confinement. On va continuer de faire extrêmement attention. Faut pas s'arrêter d'un coup parce que sinon, on sait très bien que ça va réexploser. Comme Marie et Romain, près de 190 000 Parisiens ont quitté la ville au moment du confinement.